Bonjour, je vais essayer de vous présenter les modes de la guimbalde ou de la gimbal, gimbal, suivant la prononciation. Le principe général, c'est que quand on règle un axe, ici en tilting mode, ensuite la caméra restera sur cet axe-là et le reste sera loqué sur l'avion. Alors, la première démonstration, c'est le mode lock, où là tout est loqué et donc on ne peut rien régler. Et là, dans ce mode-là, ici au décollage, la caméra suit l'avion aussi bien verticalement qu'horizontalement. Évidemment, en latéral, elle assure une stabilité systématique. Elle suit l'avion et elle apporte un amortissement. Donc là, vous voyez que petit à petit, la caméra va tourner à gauche, voilà, mais moins vite que l'avion. Et en tout cas, la caméra reste horizontale dans toutes les situations, latéralement. Donc ça, c'est le mode lock. Ensuite, on a le mode panning et tilting. Donc là, on peut régler latéralement la caméra, comme ça, en mode pan. On peut faire un tour complet, parce que de toute façon, le système permet de tourner autant de fois qu'on veut. N'y a pas de fil à respecter. Ensuite, on peut régler verticalement. C'est le tilt. Et une fois que le pan et le tilt sont réglés, la caméra va pointer à le point que vous avez visé à l'horizon et rester tout le temps de manière permanente dessus. Exemple, là on voit que je vise un point situé à gauche de la rivière et l'avion qui est en train de virer va virer, mais la caméra va garder le même point qu'elle vise au loin, aussi bien d'un point de vue pan que d'un point de vue tilt. Et donc on a l'impression que l'avion tourne autour de la caméra. Là je repasse en mode lock, donc en mode lock la caméra vise l'avant du véhicule. Donc là, en mode lock, vue de face, vous voyez bien ce que ça donne. C'est-à-dire que si je fais pencher l'avion à droite ou à gauche, la compensation est immédiate et donc la caméra reste horizontale. Si je pique, la caméra va suivre le nez avec un temps de retard. Donc ça donne un amortissement. Voilà, je remonte, hop, elle remonte. Là, en fait, je bouge trop lentement, donc on a l'impression qu'elle est verrouillée. Mais ensuite, en fait, elle suit avec retard. Et si je fais tourner l'avion en yaw, voilà, comme ça, là, on voit que la caméra, à la fin de l'opération, elle retrouve l'axe de l'avion. Donc, en mode lock, l'image est toujours horizontale et il y a un amortissement en pitch et en pan. C'est le mode lock. Et à mon avis, même en mode lock, on ne peut pas piloter parce qu'on a quand même un temps de retard et un effet, une impression assez bizarre, ce qui fait que je recommande fortement de ne pas piloter en se servant du flux vidéo sortant de la caméra montée sur la gimbal, on va dire. Maintenant, on va repasser à nouveau en tilting mode, c'est-à-dire qu'on peut choisir l'axe en tilt, et vous voyez qu'ensuite l'avion peut piquer, il peut cabrer, et à l'horizon, la caméra suit toujours le même axe. Par contre, elle est restée loquée sur le pan. Et elle assure toujours l'horizontalité de la caméra. Donc voilà, vous voyez, elle suit toujours le même point, même s'il y a cabrage ou piqué. Maintenant, je suis en mode pan et tilt. Donc là, j'ai réglé la caméra, même si elle est dans l'axe de l'avion, là. Donc j'ai choisi qu'elle visse ce truc-là. Et donc, vous voyez que cette fois-ci, la caméra ne suit plus le nez de l'avion en panne. Elle vise toujours le même point à l'horizon. Aussi bien en panne, en tilt, elle est verrouillée. Donc, faut mémoriser que dès qu'on règle un axe en panne ou en tilt, cet axe-là ensuite ne sera plus variable. Et si on règle rien, on est en mode lock. Alors, dans tous les cas de figure, il est important d'avoir une autre caméra que je montre ici, qui est dédiée au vol FPV. Et donc, les évolutions sont faites avec cette caméra-là. Et quand je suis en mode stabilisé ou en vol automatique, je re-switch sur la caméra du haut de façon à voir un petit peu ce que voit la GoPro. Voilà. Et ce petit plan en vol là m'a bien plu, donc voilà. À droite, il y a un élastique qui nuit un petit peu à la vision, mais je vais améliorer ça sur un deuxième vol. Je vous remercie de votre attention et ça me ferait plaisir que vous souscriviez à ma chaîne. Bonne journée!